s'aimer pour nous l'aimer. L'unité. Ces habitants de cette étoile, aujourd'hui, plus qu'ils en mettent, m'ont convaincu que nous avons besoin de faire un vrai changement dans nos districts. Nous avons besoin d'un leadership au niveau district qui a sa habilité pour mettre tous nos habitants ensemble de l'atmosphère ouverte que doit capable de partager l'opinion sans la frayer. Comme les habitants de cette étoile, je connais qui nous défie aujourd'hui, c'est un système que nos districts ne pas sentir connectés avec le leadership. Mon cause de leadership, à cause de mon quoi, ça est la clé de ce district pour épanouir ou soin. Comme éducateur, je connais qui moi dans sa capacité pour apporter tout le monde, mais plus important encore, je sens que j'ai une connexion réelle avec les habitants de mon district. C'est là que je suis né, c'est là que je grandis et c'est là que je peux rester. Mon message aujourd'hui, c'est à nous comme bons citoyens et bons voteurs. Pas laisse-nous nous distraire avec un politique qui ne propose aucune solution à ce problème immédiat et réel qui nous peut faire face avec. Nous tous qui en avons un concern aujourd'hui, laisse-moi demander ça. Est-ce que le 25 octobre vous concerne pour disparaître? Est-ce que soudainement vous pouvez avoir tout problème de la vie pour aller? Ce qui peut promettre tout ça, peut simplement vendre nous une illusion. Créole dit, il peut battre la tête. Pendant mon parcours dans le district Anse Etoile, j'ai rencontré plusieurs personnes et je suis capable de comprendre bon problème. Anse Etoile, il a besoin d'un nouveau approche qui amène tous les habitants ensemble pour nous regarder le problème tous les habitants sans considérer l'appartenance politique. Ce qui nous besoin le 25 octobre, c'est un représentant qui l'a à terre avec vous, qui est capable de proposer des solutions pour vos problèmes, qui est capable de travailler avec vous, assister vous, causer avec vous et connecter avec vous. Soit nous continuons à rester déconnectés avec nos leaderships et divisés et continuons à vivre dans la division, ou soit nous coster et travailler ensemble pour élever nos districts. Aujourd'hui, je viens devant vous autres, pour moi devant vous autres, pour donner Terrence Crea un vote pour nous envoyer de l'Assemblée. Nous avons CCBI pendant les derniers 5 ans, par les autres, nous n'avons pas encore fait, mais Terrence, il a déjà commencé et nous avons donné ça support pour continuer. Pour sa élection qui peut venir, moi demande pour voter pour Terrence, un zen dans notre district. Pendant sa dernière 4 ans, nous avons dit que nous avons fait l'Assemblée. Et nous avons fait les autres l'Assemblée. Alors, pour sa élection, moi demande tout zen pour nous voter pour Terrence. Il peut demander même quelque chose, il peut viser même quelque chose que le président peut viser. On a sa calme dans le pays, mais on a une vision pour l'avenir, prospérité, pour tout le monde. Alors, mon petit zot, mettez votre confiance dans Terrence. À cause de Terrence, c'est l'avenir, il y a du monde qui nous connaît. Et mon capable dit pour dire, nous pouvons voir plus ou moins côté qui peut aller en nous. Et si nous donnons Terrence un vote, nous sommes qui nous peut mettre dans cette toile d'un bol en main. À cause de dit ça, à cause nous le voir pour dire 4 ans, nous avons électé un candidat qui ne prend rien pour Anse Etoile, qui ne prend pas ce du monde. Et là aujourd'hui, il a pu amener l'autre du monde dans sa famille, il peut montrer nous pour dire libre pour tout le temps, imagine sa famille avant d'habiter Anse Etoile. Alors, je peux demander aux habitants Anse Etoile pour jouer avec moi, pour voter pour Terrence, voter pour président fort, coster pour cesser. Je suis confiance de Terrence, je connais qui est un qui est capable de travailler avec tout cours la société de district et il y a un respect pour Jimon Anse Etoile, tout cours là. Terrence, il y a des gens qui font le travail, mais il y a des gens qui le temps donne une responsabilité, il y a son responsabilité de n'importe qui comment. Mon chakota qui tout, mes habitants Anse Etoile, ils donnent un vote Terrence Crea et un vote pour M. Danny Fort pour continuer son travail qui a déjà commencé. Les habitants Anse Etoile. Pareil où, je voulais voir un nouveau Anse Etoile. Je voulais voir un changement positif qui pourrait amener un culture contre les membres électés, qui ne pas disposer dans l'Assemblée, mais respecter son engagement qu'il fait avec son peuple. Alors, il ne pas se sentir obligé, mais content pour passer côté du monde, cause avec les autres, écouter les autres et travailler avec les autres. Et c'est ça l'engagement sincère qui m'a pu faire envers vous. Alors, fais-moi confiance. Envoyez-moi dans nous l'Assemblée nationale et ensemble, on va travailler pour élever nos districts.